Ce soir, je n'écris pas au lit, mais à mon bureau. Dans la petite jambe du L inversé que fait notre appartement. Celle suspendue au-dessus de la montagne du Nord, comme prête à la dévaler pour aller secouer la fourmilière de la vieille ville de Naplouse au fond de la vallée. Nichée dans le L, la terrasse exposée plein sud, bordée de bacs à fleurs où rien ne pousse. Et au bout de la pièce du bout du L, contre la fenêtre qui prend la largeur d'un mur, mon bureau. Un gros meuble en fer forgé, au plateau recouvert d'un carrelage qui reste frais au toucher, même l'été, quand il fait chaud. Ce soir, il fait très chaud, très très chaud. Je ne suis pas assis sur mon fauteuil, je suis vautré dedans. Devant moi, les différents vantaux de la fenêtre sont ouverts et plongent sur la ville endormie. La montagne du sud en face et la nuit au-dessus. Sans savoir pourquoi, je pense à mon enfance, à la télévision de mon enfance, à Cosmos 1999. Naplouse et ses 1000 lumières, dont 100 minuscules et vertes viennent des mosquées, est un vaisseau spatial prêt au décollage. Elle bruit, elle vibre, impatiente de partir. Autour, tous ces bâtiments modernes et carrés accrochés aux pentes, c'est la base interstellaire du fond du cratère de la Lune. Naplouse est lumière, est lunaire. C'est un autre monde. Ce soir, malgré la chaleur, je l'ai parcouru à pied, ce monde, sur un coup de tête, ou bien un coup de baguette magique des fées qui vivent dans le bougainvillier. Il fait une arche rose au-dessus de la passerelle blanche qui relie la belle maison ocre où se niche l'Institut français et la rue grise, striée de jaune quand passent les taxis. En échappant aux fées, je n'ai pas tourné à droite pour rejoindre ma voiture garée contre un mur, mais à gauche, vers la lune pâle que la Jordanie renvoyait déjà vers son ancienne Transjordanie. Une occupation pire que celle des Israéliens, d'après certains Palestiniens. J'ai longé les autres belles maisons ottomanes de la Hannaja Halkadim Street, puis le mur de terrain de sport pelé de l'école du quartier. Montaient des clameurs d'encouragement et des rires, comme partout dans le monde à cette heure-là, quand les enfants ne pensent pas encore à la peur que leur inspire la nuit. Plus loin, j'ai salué les teinturiers qui fermaient leur boutique de repassage de jeans à droite, et j'ai jeté un coup d'œil vers le grand escalier à gauche pour voir si le fabricant de souliers avait mis à sécher ses escarpins vernis en faux cuir, peints couleur lit de vin. Non, son échoppe était déjà fermée, comme plus loin, la plupart des magasins de cette rue de la vieille ville, qui n'a pas de nom, et qui reprend l'exact tracé de la Via Domus, de l'ancien camp romain sur le plan duquel la première Naplouse, Néapolis, a été construite. Par contre, au nord du Cardo, le souk et ses passages couverts de tôles ondulées s'agitaient encore au rythme des babils et des chants des commerçants, en train de plier boutique. Au fond de ces venelles profondes, comme des ravins de Mars, le soleil couchant filtré par le plastique au-dessus des étals rendait tout très rouge, il faisait un peu moins chaud que dans les rues séculaires, aux murs couverts d'affiches des martyrs. La chaleur m'est retombée dessus, à la porte du souk, côté Dawar. J'ai refusé les fruits mûrs, pas mûrs plutôt, et les bouquets de menthe que des gamins aux mauvaises dents me tendaient en criant « Rami Shekel !» Et en passant, près de cette drôle de petite mosquée, en forme de pagode, sans étage, venue s'enfoncer sur le terre-plein de la quatre voies qui relie le Dawar, le rond-point poumon de Naplouse, à la route de Jérusalem, je n'ai pas acheté de cigarette à l'unité aux jeunes hommes en meilleure santé et mieux habillés que les minots maraîchers venus direct des villages alentours. À un moment, je me suis approché du présentoir en forme de meuble à tiroir en bois
d'un parfumeur des rues. Un vieil homme en djellaba grise, à force d'être mise, testait sur sa peau craquelée une flagrance forte et sucrée. Du jasmin ? De la rose ? Et hochant la tête, il acheta un flacon entier. En se tournant, il m'a souri, heureux de son achat, libérant par brassées amples comme des tapis d'Aladin des volutes de parfums dont il s'était aspergé pour l'essayer. L'une d'elles m'a porté jusqu'à l'appartement, malgré les escaliers trop raides, la chaleur trop pesante et mon cœur qui s'est mis à cogner trop fort dès le bas de la montagne à gravir en partie. Oh vraiment, j'ai cru calancher en arrivant dans notre rue à bout de souffle et trempé de sueur. Je n'arrivais plus à m'orienter, à penser. Je n'entendais plus que les battements de mon cœur, à la peine, qui résonnaient jusque dans ma tête. Après, il y a dû avoir un grand déshabillage poisseux, une douche à peine tiède, et puis de la pâtée mise dans les gamelles des chats dehors, sur la petite terrasse carrelée que protège un citronnier et qui conduit à la porte d'entrée vitrée. Dans cet ordre ? Striptease, eau, miam-miam ? Ou bien un autre ? Les chats sans doute, d'abord. Vraiment, je ne me souviens pas bien de ce que j'ai fait en arrivant, tellement j'étais crevé. Ni comment et pourquoi je me suis retrouvé à écrire là, au bureau, plutôt que dans mon lit. Et je regarde la ville que je commence à connaître. Et je guette les bruits pour m'assurer qu'aucune incursion israélienne n'est en cours à travers ces ruelles. Et mon cœur dans ma tête me dit « Va te coucher !» Mais je n'y arrive pas. Naplouse m'envoûte. Palestine, il ne connaît pour l'heure que le ciel qui tape et les bougainvilliers qui fleurent, très fort, à profusion. Sous leur buisson, l'entrée de l'Institut français de Naplouse, qu'il est venu diriger, s'alanguit entre ombre et lumière, superposant de haut en bas du bleu flash sur du rose fuchsia, sur du blanc fissuré. Celui de la passerelle qui relie le bâtiment ottoman à la rue en corniche. Naplouse est bâti entre deux crêtes pelées et tout y est pente. Mais le petit bureau qu'il occupe depuis une semaine est à peu près horizontal. Dans un tiroir, des factures s'accumulent. À la banque, le compte avec nouvelle signature, la sienne, n'a toujours pas été ouvert. Tout est calme. Les élèves sont en cours de français. Le téléphone qui sonne pourrait annoncer la récréation, mais l'heure de la pause est laissée à la discrétion de chaque... Le directeur décroche. Un homme est au bout du fil. Dans un mauvais anglais, il se présente. Son prénom est... Jihad. Semble-t-il. Il explique qu'il travaille à la banque et annonce... You can come now for your account, sir. Je peux venir pour mon compte en banque, monsieur. Le directeur ne le se fait pas faire de dire deux fois. Il saute dans un taxi tout jaune et file jusqu'à la Rafidia, l'avenue principale de Naplouse.
L'agence bancaire dont l'institut dépend se trouve là, entre la broche à viande d'un vendeur de kebab et les lustres en faux cristal d'un magasin de luminaires. Il est 1h de l'après-midi quand le moudir français... Directeur. Oui. Passe deux portes coulissantes encadrées de deux distributeurs de billets, dont un est hors service. Son costume est déjà moite et sa cravate poisseuse. À cette heure-là, le soleil s'en donne à cœur joie dehors, entre le marteau turquoise du ciel et le pillot noir bitume de l'avenue, pompeusement surnommé les Champs-Élysées de Naplouse. L'agence est bondée, comme si toute la ville s'y était donné rendez-vous. Il est vrai que l'endroit est frais, presque froid. Le climatiseur a dû être réglé sur mode banquise. Un drôle d'appareil, autonome et long, est posé à l'entrée. Il distribue des tickets pour attendre son tour. Eh oui, comme à Pôle emploi ou à la Sécurité sociale en France. Près de l'automate, et aussi maigre que lui, se tient un jeune homme qui fait office d'agent de sécurité et d'accueil. Il ne parle que très peu anglais. Bafouillant ses bases d'arabe, tout juste apprises, le directeur tente d'expliquer qu'il vient d'arriver à Naplouse et qu'il ne sait pas comment fonctionne this machine. L'anglais lui a échappé, ni ce qu'il faut faire après avoir reçu son ticket. Au passage, il lâche l'information « Anna Moudir Jdid al Markaz Faransi de Naplouse ». Je suis le nouveau directeur de l'Institut français de Naplouse. Aussitôt, prend le bas de combat et accompagnement jusqu'à un fauteuil confortable et vide, apparu comme par miracle en face d'un bureau vitré occupé par un gros homme très affairé. Les clients en attente depuis bien avant le nouveau venu. Tous des hommes. Le toise d'un air rageur que n'atténue en rien le va-et-vient sous leur nez de ce qu'ils utilisent pour s'éventer. Prospectus, feuilles de journal et emballage de sandwich tachés de gras. Près d'eux, sur les tables basses, traînent des magazines comme chez les dentistes. Mauvais souvenir, ça, pour le directeur, les dentistes. Sa petite voix intérieure, venue d'au-dessus de ses dents, lui susurre que... Le rendez-vous à suivre ne va pas être agréable non plus. Pour chasser son appréhension, Moudir laisse errer son regard au-dessus des crânes qui l'entourent, y compris ceux nombreux et qui n'ont rien trouvé pour s'asseoir. Il remarque alors que des écrans à diodes rouges sont fixés au ras des plafonds. En les observant, il comprend assez vite qu'ils affichent les numéros des tickets que l'on sert et à quel endroit. Il lui semble que pendant qu'il discutait avec l'agent de l'entrée, The Machine débitait des tickets en 900 quelque chose. Ah, pour l'instant, on sert le 880. Ah non, pendant qu'il entre enfin dans le bureau du gras monsieur affairé, le numéro 880 s'affiche en même temps que... Retentit une sonnerie genre klaxon de voiture en plus fort. Au moins, avec un son comme ça, on ressent bien le poids de l'attente. Son caractère inéluctable et anxiogène, proche du fameux supplice chinois de la goutte d'eau sur le front glabre. La main du banquier est moite, sa bouche lipue, et à travers ses lèvres épaisses, son sourire a du mal à trouver une issue. En se renseignant et en désignant une chaise à son client, Il prononce quelques mots anglais roulés d'un fort accent arabisant. Mais le directeur n'en entend qu'un sur deux, car on sert le 882 et... Ah bah oui, le 883. Moudir s'assoit sur la chaise couverte d'un fin plastique transparent. Pour lutter contre la poussière et le sable ambiant en Palestine, on ne sort que rarement les fauteuils de bureau de leurs emballages. Impression de s'asseoir dans une couche pour bébé. Mais oui, c'est ça. L'homme banquier ressemble à un joufflu bambin déjà pourdu de cheveux. Eux sont coiffés d'une raie sur le côté et lui est vêtu de sa barboteuse luxe du vendredi, jour de visite chez les grands-parents. Ah, et tout le monde s'en occupe bien. Tout le monde l'aime bébé puisque... Un monsieur tout gris vient ramasser les mouchettes sales dont le babin chevelu se sert pour essuyer le front et le cou. Et un autre vient débarrasser les tasses à café qui datent du précédent rendez-vous. En arabe, le bébé bancaire s'adresse au directeur en prononçant entre autres les mots « chai » et « kawa ».
Chai, la Osamart. Thé, s'il vous plaît. Répond l'invité rengorgé. Il ajoute même bidon sukar. Sans sucre. Se persuade ainsi qu'il s'intègre. Deux monsieur, l'un très gros, l'autre tout maigre, viennent poser des questions vitales à bébé. C'est qu'il sait déjà parler, le poupon, deux langues au moins, l'anglais et l'arabe. Maudir tente un peu de français, du genre « Merci de bien vouloir me rencontrer si vite, mais… » Le téléphone fixe retentit près de Babichou, et de sa main au moins très court, il décroche, parle comme on chante, et seul un nouveau vient perturber ce surprenant morceau d'opéra. Pour passer le temps, le mélomane, malgré lui, lance un coup d'œil dans l'agence. Les mêmes visages fermés, barbus ou rasés de frais, clignotent derrière les éventails qui froufroutent de manière étrangement féminine. Bordé de poils sombres pointant de manches de chemise colorées, les mains masculines sont tout ce qui bouge dans l'espace surchauffé. Pas de depuis quelques minutes. Par contre, le portable de bébé sonne à son tour. Il s'en saisit, appuie sur on et parle en plaquant l'oreille, l'appareil contre son oreille, sans lâcher le combiné du téléphone fixe. Qui ressemble à un hochet en forme de banane, se dit le directeur. D'une voix suave et gutturale à la fois, le banquier chante un air différent à son cellulaire, bien plus doux que le précédent. Un appel privé, sans doute. Puis il raccroche et reprend son aria vindicative dans la banane grise enflée aux deux extrémités. Son vis-à-vis pense alors à la fameuse blague de la banane dans l'oreille, et cela réussit à l'aiguiller un peu. Tout d'un coup, il entend « So, what can I do for you, Mr. Director ?» Ce qu'il peut faire pour moi, le directeur, il était temps. En anglais, Air Director explique avoir reçu un coup de fil d'un certain Gerard. Et que... Oh, là, stop. Ah, le banquier l'interrompt et se met à parler très vite. Son interlocuteur ne saisit pas tout car le galopant babille est couvert de plusieurs... Il semble qu'il est question de vérifier de quel... Gerard. Ah bah oui, on parle. Le poupard reprend son téléphone fixe et pianote un numéro à toute vitesse en même temps que le monsieur gris rapporte une tasse de café, de thé et que le gros monsieur en costume revient pour poser une question à laquelle son bébé collègue répond... Non. Bon, le bébé banquier enchaîne par un... Allô. Autoritaire et bananier, suivi d'une nouvelle chanson, un vrai tube rock tellement il articule vite. En transe, baby star, brave les... Mais aussi le... d'un texto qui vient d'arriver sur son portable. Il le lit, puis pianote aussi vite qu'il parle. Parmi tous ces sons électroniques, le bébé bavard explique au directeur en aparté qu'il n'y a pas de... Gerard. Dans cette agence, et qu'il faut donc appeler celle de la vieille ville pour savoir s'ils en ont un. Mais quelle importance cela a-t-il de savoir qui a téléphoné à l'institut tout à l'heure ? Voudrait s'exclamer, Moudir en arabe, mais le volubile ténor ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Il raccroche son téléphone fixe, compose un nouveau numéro sur le clavier plastique et explique en quelques mots mitraillette et après traduction en français, sans cependant négliger les R qui roulent. Pas de djihad au Vienna Plus, mais il y a au service communication de Ramallah, alors j'appelle pour connaître si c'est lui qui a passé appel à vous. Un doute étreint le directeur. Si j'avais mal compris, si ce n'était pas un djihad qui avait téléphoné, mais un Ahmad ou un Riyad. Il se sent soudain épuisé. Les supersoniques à répétition, deux nouveaux guichets viennent d'ouvrir, lui vrille la tête sans compter les... des textos qui s'accumulent sur le portable de bébé, mais auxquels il ne répond plus. Ça l'a fait en moins. Mais horreur. Brusquement, lâche pendant que Laurel et Hardy, gros costume et costume maigre, apportent des documents à signer. Alors le directeur comprend. Une faille spatio-temporelle vient de le happer. Et il n'est plus dans la vraie vie. Il est dans un film. Dans Brasil. Bientôt,
un chirurgien en blouse blanche va venir tirer sur la peau molle du visage du banquier. Son bureau va se mettre à raccourcir en pénétrant dans le mur. Les papiers des messieurs en costume vont voler dans les airs. Le monsieur gris va se prendre une balle perdue en plein front. Robert Tuttle de Niro va surgir pendu à un filin et d'un tir pulvériser la vitrine au fusil d'assaut. Pour oublier son impatience, le français client replonge un instant dans cet extrait du film où Laurie, ange métallique aux ailes immenses, veut sauver les nuages sa bien-aimée enfermée dans une cage volante. Lui, le cinéphile, est prisonnier d'une cage vitrée. Devant lui, un homme poupon fait la bamboche avec ses téléphones, tandis que passe le voir une dame pas souriante. Elle ressemble à l'assistante d'un magicien qui louperait tous ses tours. À la fin du show, alhamdoulilah, l'ubuesque banquier expose le compte-rendu de son enquête. Pour vérifier l'information fournie, il est remonté jusqu'au ciel régional à Jérusalem. Et donc non, ce n'est pas un Djihad qui a appelé tout à l'heure, mais un Mourad. Il travaille au service relations clientèle ici même à l'étage de l'agence Rafidia. Retour à la case départ. Le directeur regarde son détective brésilien droit dans les yeux et lâche un « So what ?» harassé. Bébé gazouille en rigolant comme s'il venait de lâcher un rot sonore ou de faire cacamou dans sa couche. « Very nice to meet you, Mr. Director. Ready to help you when you want. Alain wa salam. » Bien. Moi aussi, j'étais ravi de rencontrer. Et d'accord, il est prêt à m'aider. Retour de la voix de dessus des dents qui avait prévenu. D'accord, nous sommes les bienvenus, mais l'ouverture du compte? Et vous les yeux, non. Ne regardez surtout pas la montre du poignet gauche. Personne ne veut connaître le temps passé dans cette banque pour rien. Et en sortant, dents tranquilles, regard mi-clos et mains dans les poches, le directeur fredonne tout bas la chanson « Brésil ». Pour se venger, il retire 1000 shekels au seul distributeur valide de l'entrée à l'aide de sa propre carte bleue. Quand en aura-t-il une pour l'Institut? Et quand un chéquier? Bon, qu'importe. En composant son code à 4 chiffres, il se persuade qu'il commet un infantile hold-up. Nah. Dehors, l'usuel embouteillage du milieu d'après-midi s'est formé sur Rafidia. Le taxi que prend Moudir mettent une heure pour faire les 2 kilomètres qui séparent l'Arab Bank de l'Institut français. Brésil, tomorrow was another day. La 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 la. Des mois, peut-être même des années plus tard, le directeur apprendra qu'il y a une bourse à Naplouse, que son responsable rond, comme un culbuto, se prénomme Djihad. Son nom de famille, il ne s'en souvient plus. Et que l'économie palestinienne est la deuxième plus florissante du Proche-Orient. En excluant Israël, bien sûr. Lui qui la croyait pauvre, étranglée, la Palestine, ce sera l'une des dernières idées reçues qu'il abandonnera avant de rentrer en France. Remplacé par celle-ci, les banquiers, comme les dentistes, font du mal aux honnêtes gens. Plus tard, un vendredi, mon seul jour de congé, je suis avec Annick, ma femme, sur une des plages de Tel Aviv, plutôt côté port de Jaffa. Il doit être au moins 5 heures de l'après-midi, la poigne de fer chauffée à blanc du soleil est en train de se muer lentement en caresses. Encore chaude, certes,
mais déjà portée à bout de bras par le vent léger du soir qui s'est mis à frémir, timide et pas rassurée par le bruit ambiant. Ce qu'il est vraiment assourdissant, ce bruit. D'abord, il y a la mère qui joue les matrones à grands coups de rouleau sans bigoudi et houspille en grommelant, vieille femme acariâtre, les baigneurs qui osent s'aventurer dans les plis de sa robe qu'elle secoue violemment, comme ma grand-mère, agitée son tablier pour en ôter les grains d'orge récalcitrants après avoir donné la béquée aux poules. Ah, j'y suis pas arrivé, mince. Elle râle vraiment très fort, la marâtre, et j'ai l'impression qu'elle ronfle d'air. À rallonge à chaque vague. D'ailleurs, le drapeau hissé sur la plage est noir. Surtout, il y a dans l'eau, malgré tout, un groupe entier de musulmans très heureux d'être là, qui jouent, crient, pépillent, chantent et s'interpellent malgré les invectives du maître nageur. Lui, dans son micro, depuis sa maison en bois sur pilotis, là, tout près, dans l'axe des drapeaux noirs, il leur crie, j'imagine... Bon, aujourd'hui, la mer est dangereuse et il faut sortir de l'eau. Mais le problème, c'est qu'il dit ça en hébreu. Monsieur Muscle, aux Palestiniens désobéissants. Et même s'ils comprennent sans doute pour la plupart parfaitement l'hébreu, bon, il faut bien s'adapter et survivre à 70 ans d'occupation, ils font comme s'ils n'entendaient rien, ces sales gosses. Les femmes plongées, tout habillées dans leurs robes sombres, en colle à la peau, et font deviner leur forme, patifolent ou conversent par deux ou trois assises dans l'eau jusqu'à la taille, hurlant de joie lorsqu'une vague plus longue vient leur éclabousser le visage. Les hommes, souvent en jeans et t-shirts, vont les affronter plus loin, les vagues, bien plus loin, tellement la plage est plate. Ils leur font face quand elles ressemblent aux chenilles d'un char, et en laissant l'eau salée leur piquer les yeux, ils imaginent, sérieux, concentrés, qu'ils la refont la guerre, leur guerre. Qu'ils la gagnent. Les chebabs, les jeunes hommes, eux, osent s'exhiber leur torse nu au-dessus de leurs shorts de bain mi-long. Et ils courent, ils jappent, pareil à de jeunes chiens fous. Ils montrent les dents en riant aux éclats, et leurs sourires font de la concurrence au soleil qui en rougit. Le crépuscule n'est plus si loin. Les enfants, garçons et filles, fatigués mais heureux, l'attendent déjà le coucher de soleil, les yeux régulièrement rivés vers l'ouest, là-bas, au bout de cette immense étendue bleue dont certains ne savent peut-être même pas le nom, et ils guettent le feu d'artifice de fin de journée, tout en jouant à s'enterrer vivant dans le sable jusqu'au cou. Alors vraiment, quelle journée! Les familles ont bataillé dur pour avoir leur permis de sortie des territoires occupés. Il a fallu louer le bus, cher, trop cher, attendre trop longtemps au checkpoint, alors que tous les papiers étaient en règle. Il a fallu gérer l'impatience de la première fois pour la plupart des passagers. Enfin, ils allaient voir la mer et les enfants avec eux. Bon alors, il peut bien crier, s'époumoner, gueuler, musclore dans sa guérite. Il peut bien descendre de son observatoire, s'approcher dans son slip de bain moulant, dégoûtant, et souffler dans son sifflet de flic. Il pourrait même balancer une musique qui fait peur dans sa sono et faire surgir de faux requins téléguidés dessous les pilotis. Ils ne vont pas se laisser voler et souffler ce qui sera peut-être le plus beau jour de leur vie. Mes Palestiniens en villégiature. Ne pas bouger, faire comme s'ils n'entendaient rien, ne même pas regarder le maître nageur furibard lorsqu'il vient jusque sur la plage. C'est leur petite revanche, leur victoire à la Pyrrhus, un instant de paradis gagné sur une vie d'enfer. Oh, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont complètement sûrs d'eux, parfaitement rassurés, mes voyageurs d'un jour. Si, pour leur première fois au bord de la mer, ils ont choisi une plage proche de Jaffa, le quartier arabe de Tel Aviv, si malgré l'étendue de la plage, ils restent sagement groupés tous ensemble à une bonne centaine sur quelques dizaines de mètres carrés de sable chaud et tout bouillonnante, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec les Israéliens. La peur de l'occupant, des colons, ne quitte jamais vraiment les Palestiniens. Et pour conjurer la peur, même quand elle est résiduelle, infime, à peine un mauvais souvenir comme maintenant, ils parlent très fort, ils rient plus fort, ils vivent plus fort debout contre le soleil couchant, vraiment contre lui. Against. Comme s'ils voulaient lui livrer bataille et gagner celle-là aussi. C'est à la fois très beau et très bruyant.